J'adore partir explorer. J'ai ça dans le sang. Mais il faut être en forme et en pleine santé pour être un explorateur, comme mon ancêtre, Sir Francis Dart. Les marins comme lui partaient en mer pendant des mois, ce qui ressemble un peu à de super grandes vacances. Mais ils étaient souvent très malades à cause de ce qu'on appelle le scorbut. C'est parce que tout le temps qu'ils étaient en mer, ils n'avaient pas de nourriture fraîche. Et puis un jour, un docteur a découvert que les oranges et les citrons pouvaient aider ces marins malades, parce que ces fruits étaient pleins de vitamine C. À partir de ce moment-là, les bateaux ont commencé à naviguer avec des citrons à bord pour aider les marins à rester en pleine santé. Un citronnier pour le timonier! Vous voyez, c'est pour ça que j'adore les vitamines, parce que les vitamines, c'est la vie! Elles permettent à notre corps de faire toutes sortes de choses. Construire les os, développer les muscles, combattre les maladies. Et elles sont parfaites pour notre sang. Notre corps est formidable, mais il ne peut pas créer tout seul toute la vitamine qu'il lui faut. Alors, nous devons chercher notre vitamine dans des aliments sains. On trouve les meilleures vitamines dans des aliments naturels comme les fruits, les légumes, le poisson et le lait. Certaines vitamines sont si importantes qu'on les identifie par une lettre. Il y a les vitamines A, B, C et D. Et pour une santé de fer, il faut manger du fer, qu'on trouve dans la viande, les haricots et les salades. Je sais bien que vous aimez les chips, les bonbons, les biscuits et les gâteaux, mais ils ne nous donnent pas les vitamines dont on a besoin. Désolé. Mais vous pouvez obtenir une vitamine du soleil, la vitamine D. Alors, allez jouer dehors tous les jours! Et rappelez-vous, les légumes de différentes couleurs sont source de différentes vitamines. Alors visitez tout l'arc-en-ciel! Mission Kids Fit for Life.